4. Et salut la compagnie et bienvenue à tous sur KO Gaming. On se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 9 sur Resident Evil 4. Et nous sommes toujours dans le village, hein, on s'en sort pas. Mais je pense qu'on est quand même sur la fin. Je l'intime conviction que en prenant l'objet qui se trouve devant moi, c'est-à-dire une manivelle, il va y avoir les sorbets là. Donc en plus il y a des casiers partout, donc ça va être l'enfer, je sens. Donc j'ai acheté le fusil anti-émeute, donc on va certainement voir si. Oh putain, bah c'était sûr. Ah, je pensais que c'était dans les portes, vous voyez. Bon, elles sont toujours autant dégoûtantes. Pardon, vous savez pas que c'était à vous. Éclatez, vraiment. Et ça va pas être possible. Alors, Ashley. Casse-toi. Ok. Voilà. Ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. Hop. Ça aussi c'est cadeau, ça me fait plaisir. Putain, le fusil anti-émeute il est génial. Hein. Salope rare. J'aurais dû utiliser la grenade. Là, tu dégages. Prends bien ton temps, Léon. T'es sérieux ? Voilà. Bon. On aura réussi du premier coup, on va prendre ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on dit là, hein? Non mais sans déconner. C'était sûr, hein, les sorbets là. Je m'attendais juste que ça arrive au moment où on ouvre la grande porte. Voilà la manivelle. Le fusil est juste génial. Non, je regrette pas du tout d'avoir vendu l'autre. Et là, j'ai bien ressenti quand j'ai tiré le fait qu'il soit propulsé en arrière. Hein. Surtout les deux tronçonneuses là. Non, j'ai vraiment bien. Je suis content du résultat là. Bon. J'ai même pas touché à mon pistolet mitrailleur. Alors on va rechanger là. Et oui, bah oui, ils sont pas fous. Ils sont pas fous, mais rappelle-toi, dans l'original, il y avait une porte à choper, enfin à passer, et la clé était sur l'une des sorbets là, donc ça ne change pas. J'ai toujours pas assez de poudre, hein, on est bien d'accord. Non, on va donc garder, et ici, on va. J'ai plus de grenade aveuglante, si j'en ai encore une, on va faire une grenade aveuglante. Voilà. Parce que mine de rien, elles sont quand même bien utiles, ces bougres. On va foutre ça là. On va foutre ça là. On va foutre ça là. Et là. Parfait. Et ça, ici. Tout en arrière pour acheter le fusil anti-émeute. Mais en réalité, tu as cassé le cadenas d'en bas.
dans la pièce et tu as eu la... Bah oui, mais bon, c'est pas grave, la sauvegarde auto... De toute façon, j'avais pas le fusil anti-émeute, donc j'ai bien fait de retourner en arrière, ça n'a pas perdu trop de temps non plus, et au moins j'ai eu un gage de sécurité. Par contre, pourquoi j'ai tout fait à l'envers? Ça, je sais pas, mais moi je trouve que je m'en suis très bien sorti, je suis très content de la façon dont ça s'est déroulé, là. Ah bah voilà, bon, j'aurais eu la porte, bon ok, je m'aurais dit, j'aurais pas pu passer. T'as rien. En gros, j'ai juste flairé l'action au mauvais endroit, quoi. Je pensais que ça allait être ici. Je dois prendre ça comme un compliment. Bah là, j'ai juste pas analysé la porte, en fait. Donc, je pense que c'est pareil au final, parce qu'en plus, l'arène est plus petite dans l'original. Là, il y a quand même de quoi. Pourrais tout fouiller avant de sauter en bas. Il y a ta sauvegarde. Ouais, bon, au final, peu importe. Alors, non, c'est pas ça que je veux, c'est la carte. Ah oui, le dernier. Ah oui, on n'est pas loin, les amis. Et là, je pense que le pont, là, c'est le pont-levis, et là, il y a le château. Par contre, je vois pas. Ah non, il manque Bitores. Il manque encore un truc. Peut-être que le téléphérique, on l'aura pas. Hein. Enfin, moi, je suis satisfait de la façon dont j'ai fait, donc c'est très bien. Et comme ça, en plus, j'ai acheté le fusil anti-émeute avec les sous que j'ai pu trouver dans l'arène. Bah oui, donc non, au final, ça va. Non, je suis satisfait. Beaucoup plus que certains passages que j'ai pu faire auparavant. Je peux pas continuer tout droit, on est bien d'accord, non, c'est coincé. Je peux pas monter, on est bien d'accord, c'est coincé. Je sens qu'on va en chier Mendes, mais je le sens bien. Grenade aveuglante, tiens, merde, j'en ai fait une. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Allez, c'est ça, équipez-moi. En fait, le fusilier émeute, c'est l'équivalent du Ryogun, au final. Sauf que le Ryogun, on le trouvait dans le château, au tout début. Poudre noire. 11. Je crois que c'est 12, hein, pour les balles. Ouais, il manque une. Bon, par contre, là où j'ai bien fait de t'écouter, bon, j'hésitais, hein. Mais c'est pour les 10 poudres auprès du marchand, là, j'ai vraiment bien fait de le faire. Allez, on continue. Au cinématique. C'est bon, on y va. Ah ouais, c'est pas dans une grange. Léo. Ton âme doit être purifiée. Oh putain, déjà direct quoi. Oh, ça s'enchaîne de ouf. T'aimes pas mon petit flingue? T'as perdu ton chapeau? Mais tire pas à côté! Bon, cours. Ah merde, vous foutez quoi là, vous là? Vous m'arrangez pas du tout, hein. Bon, on court, hein.
Le pont, oui, bah oui, le pont. Je vois bien. Par là. Oh, j'ai dû louper plein de trucs. Faut y aller. Non, non, t'as pas ton chapeau, toi, hein. C'est quoi, cette arnaque? Merde, j'ai dû utiliser des munitions pour rien. Oh, merde. Mais ouais, mais comment tu veux qu'on sache? Putain, moi, je pense... Vu que c'est un moment où il tord les... Les trucs, là... Comme dans le combat, dans l'original, je me suis dit, ça y est, c'est le combat direct. Enfin, fait chier. En plus, j'ai pas pris tous les loots que j'ai eu. Bon là, non, Ashley m'a pas troll, par contre. C'est plutôt bien débrouillé. Bon, attends, du coup, je suis où, là? Mais c'est assez... Bande d'andouilles. Écoute, vous êtes rigolo. C'est toi qui veux. Donc, si jamais on le revoit, tu cours. Mais... et toi? Je ferai ce que j'ai à faire. Bah oui, mais forcément, quand tu connais, là, évidemment, c'est facile. C'est comme tous les jeux, hein, tu me diras, hein, quand tu connais. Défense d'entrée. D'accord. Ah, putain, toutes les balles de pompe, ça m'emmerde. Bon, par contre, il avait pas l'air d'aimer mon raid 9 quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, voilà le pec. J'ai rien à vendre. Hein. Non. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Bon, t'as rien de nouveau. Non, le fusil à verrou, je m'en fous. Je veux pas acheter le fusil de précision dans le village. On va réparer ça. Je te souhaite bonne chance. 30 000. Capacité 9, 12 000. Putain, je voulais améliorer encore le... Non, non, je vais rien améliorer encore. Je vais améliorer la puissance du raid 9. Quelque chose de... Donc non, non, j'achète rien de plus. Par contre, je vais sauvegarder. J'ai déjà deux sprays dans ma malle, donc ça devrait aller. Et on va sauvegarder. Allez, hop. Ah, ça m'embête d'avoir gâché toutes ces munitions de pompe, là. Putain, on était bien parti. C'est hallucinant, quoi. Bon, et puis monsieur qui a retrouvé son chapeau. Ah, une herbe rouge. Ah bah la voilà la grange. La voilà la grange de Mendes. Putain, mais quelle naze. Léo ! Bah oui, c'est ça. Bah non, c'est là en fait. Ah merde. Ah par contre, il a pas son chapeau. Qui c'est qui a tiré ? Oui, bah oui, c'est moi. Ok. Cesse de lutter inutilement. Abandonne ton corps à la volonté de notre Dieu. Il parle beaucoup plus que dans l'original, lui aussi, hein. C'est ça. Oh, tout puissant, donne-moi la force. Trouvez pas que le manteau, il ressemble vraiment à Mister X avec le manteau? Putain de merde. Ashley, cours. D'accord. Bon, oh, le téléphérique, franchement, pour moi, c'est juste un petit bonus. Il y avait désinfecté où tu tirais, il tombait dans le vide. Merci de m'avoir fait ce don. Ah, il est content d'avoir qu'on ait fait ça. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Aïe.
Merde, j'ai plus de grenades. Ouais, je me suis dit s'il est par terre. Merde. Je sais absolument pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris. Il y a des trucs là. Ouh, du pompe, ça a l'air intéressant ça. Oh ! Putain, il a une détente ! Ok, pas mal le fusil mitrailleur là. Bon, évidemment, on sait qu'il est pas mort. Merde, je suis en train de brûler là. Aïe. Mais non. Quel con. Ça pourrait me coûter la vie de ça. Ok. On va fabriquer des munitions mitrailleuses. J'ai plus assez de coups. Allez. Enflamme pas. Putain, mais y a pas beaucoup de d'endroits où tu peux y aller là. Merde. Je l'ai trouvé beaucoup moins puissant que dans l'original. Bon, ça rattrape le fait que j'ai perdu des munitions bêtement, ou alors qu'il fallait courir. Léo, tout va s'écrouler. Non, il y a du loot. Les verres. Les deux verres, pardon. Le fusil mitrailleur était incroyable. Je ne suis même pas servi de mon fusil anti-émeute. Oui, je sors. Ah non, la TMP là, magnifique. Couteau de cuisine. Oui, attends, il y a du loot. Ah oui, en plein dans les flammes, bravo Léon. C'est tout ce qu'on a. Allez, on se casse. Léon, vite ! Elle nous aide à éteindre des petites flammes. Bah écoute, moi en tout cas, la TMP m'aura été fort utile. J'ai fait les trois quarts du combat avec ça et un peu de raid 9. Hein. Mon raid 9 qui n'est pas optimisé à fond. Donc c'est clairement la TMP qui a fait tout le boulot là. Alors je suis très content de comment ça s'est passé. Et j'ai bien plus galéré dans l'original la première fois face à Mendes. Ah putain, bon ça ok, on pourrait pas retourner à toute façon. La carte. Abattoir. C'était pas... Je sais pas, aussi c'était abattoir aussi dans l'original aussi il me semble. Je sais plus, j'ai un petit doute.
Bon, je me serais soigné une fois, donc ça va. La carte encore. Oui, je suis bien normal, hein. Vous avez bien vu mon choix de difficulté au départ. Je ne triche pas. Puis sur la sauvegarde, c'est bien marqué normal aussi. Donc voilà le château. Ah, le camion est à l'arrêt. C'est bien d'avoir mis le petit détail. C'est vrai que c'était pas terrible le fait qu'ils conduisent. C'était pas non plus le truc incroyable. Par contre, je contrôle s'il n'y a pas de la marchandise intéressante. Non. Parfait. Non, ou alors j'ai bien tiré ces endroits plus faibles. Moi, je sais pas ce que tu t'es servi comme arme. Est-ce que tu t'es servi de la TMP contre lui? J'en sais rien, hein. L'icône d'Ashley en bas à droite de l'écran a changé. Ah oui. Avec moi. Ok. Pourquoi tu t'es foutu toute seule? Ah, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la tonne de villageois là qui nous poursuit, et c'était pour ça qu'on a été enfermé dans le château. Bon. Petit point, tout petit point négatif. Au moins, là. On est sûr de pas être suivi. Allez, en route. Bon, ça y est, nous y voilà. Ouais, bon, le parasite, en vrai, il y a des fois où j'ai tiré à côté, hein, mais... je pense pas que ce soit aléatoire comme ça pour les boss. Hein. Donc, bah, du coup, je suis pas mort. Enfin, un chapitre où je suis pas mort. Chapitre 1, ok. 4, ok. Ouais, au final, il y a que le 5, et encore, je suis mort deux fois, on va dire, bêtement. Donc, non, pour l'instant, finalement, je suis plutôt satisfait, hein. Machine à écrire, sauvegarder. Donc il y a bien marqué, hein, standard. J'ai bien fait le... C'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça. Il y a bien marqué difficulté standard, hein, donc je n'invente rien. Ok, super. Bon, moi la question qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est est-ce que je vais avoir... le fusil semi-auto, donc le fusil pas à verrou, mais le fusil de précision. Voilà. Tiens, oui, il m'appelle lui. Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médaille qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Alors, j'ai entendu des corbeaux, c'est pour ça que je me suis arrêté. Ok, Ashley. Louis a dit que... Je sais. Je suppose qu'on devrait y aller. Je les entends, mais je les vois pas. Ah, ça y est, ça fait le rageux, là, ça y est. Ah, merde, ils étaient là. Putain. Revenez. C'est fou, ça. Hein. Dès que je réussis mieux un passage, ça fait le rageux. Nya, 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 nya. Du coup, j'ai loupé les corbeaux. Bravo. Là non. Alors, je crois qu'il y avait un coffre dans l'original quelque part par là. Ah, ils l'ont mis là, très bien. Boussole ancienne. Ah, ils sont revenus. Ah bah ce qui est sûr c'est que je regarderai de l'église jusqu'à l'endroit où je m'arrêterai avant mon prochain live, ça c'est clair et net.
J'ai reçu quelques nouveautés. Bon, alors toi, tu es le marchand qui m'intéressait depuis fort longtemps. Qu'est-ce que ça, astuce du marchand? Alors, Punisher, stabilité, pouvoir perforant. Viseur laser, bon ok, lui je l'ai viré. Grande puissance, mais son recul est très important, il est possible d'atténuer ce défaut en l'équipant d'une crosse. C'est ce que je veux acheter. Black Tie, un excellent pistolet, idéal pour le tir rapide, son format compact permet aussi de conserver de la place dans l'inventaire. Ah, intéressant. Mathilda, rupture de stock, un pistolet qui ne paie pas de mine comme ça, mais qui, une fois équipé de sa crosse, ne donne aucun répit aux ennemis grâce à ses tirs en rafale de 3 coups. Bon, tu m'apprends rien, à part juste le fait que le Black Tie est beaucoup plus petit. À moins que tu aies pris la manette noire qui te donne plus de ferraille. Ah oui, ça c'est sûr que ça m'aide beaucoup, hein. J'avais vu dans le dernier live que tu as fait, enfin que j'ai vu moi, t'étais pas intéressé par la manette noire parce que tu pensais que c'était que des skins, comme les porte-bonheurs au final. Et le fait qu'il me donne énormément de ferraille grand, bon je peux faire des pistolets mitrailleurs et des flèches d'arbalète et des grenades aveuglantes, je peux pas faire de mission de pistolet et de fusil à pompe, mais ça m'aide quand même grandement. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Bon, alors, j'ai toujours autant de spin. Oh, c'est quoi ça? Comment? Ah ouais, faut que je prenne ça. Ticket d'amélioration spéciale. Waouh, c'est vachement bien ça. Et alors, la manette en cuir, c'est quoi? Fait apparaître des herbes rouges. Bon, concrètement, c'est mieux la manette noire. J'avais payé combien? 10 spinels, je crois, la manette noire. Tandis que les herbes rouges. Ouais. Bon, je suis pas plus emballé que ça. Bon, par contre, la carte, évidemment, je la prends. Ça, c'est une évidence. Il y a toutes sortes de bibelots dans le château de ce clown. De ce clown. Je suis sûr qu'il en a pas besoin. Donc, on voit qu'il porte Salazar vraiment haut dans son cœur. Black Tie. Ah oui, il est très petit. Ma marchandise est en parfait état. Stingray. Ça, c'est bien. Alors, je comprends pas parce que c'est vrai que dans l'original, ils avaient mis toujours des noms dans les armes, sauf fusil semi-auto et le premier pistolet de Léon qui s'appelait pistolet. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis de nom? Là, au moins, c'est bien qu'ils aient mis un nom. À l'inverse, par contre, ils auraient mis Riot Gun pour le fusil de anti-émeute. Bah, c'est bizarre, les croisements de noms là, qu'ils font entre les différents trucs. Alors, il y a le Broken Butterfly qui est là. On peut acheter des ferrailles maintenant, des grands du moins. Formule de munitions de Magnum. Alors, pour l'instant, achetez le Broken Butterfly et recevez ceci en cadeau. Non, je vais pas l'acheter parce que si il y a encore le truc à l'endroit où on doit porter Ashley et qu'il y a le Broken Butterfly offert, je vais pas l'acheter. Par contre, 30 000, ça il me le faut. Il me le faut vendre la boussole. Les richesses que tu amasses. Ah ouais, c'est vrai, l'œil, on s'en est pas servi pour le réticule le rétinien. Et du coup, on le vend. Très bien. Une affaire bien conclue. Donc, je reprends, acheter. Je vais acheter évidemment le Stingray. Ah, à moins qu'il y ait. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une valise aussi? Ah, il n'y a pas de valise. Ça, c'est dommage. Parce que là, du coup, j'ai pas de place. Ah la merde, j'avais pas pensé à ça. Mais pas du tout. Par contre, effectivement, si c'est moins 30%, effectivement, ça a l'air d'être intéressant. Mais j'ai pas envie de tomber dans le piège du. Il y a un Broken Butterfly gratuit un peu plus loin, quoi. Ah, ça c'est embêtant. Où est-ce que tu comptes mettre putain, ça? Putain, il est méga grand. Alors attendez, on va faire de la place. Parce que ça, il me le faut. Hein. En plus, j'ai 11 balles déjà à titrer. Depuis le temps que je me les prends. Salut Axel! On va tout foutre sur le côté pour l'instant. Bien falloir faire attention de ne pas quitter. Parce que là, je perds pas mal de trucs sinon. Là, ça doit rentrer, là. Bon, là, ça rentre. Ok. Ensuite.
Comment je peux faire ça? Alors, attends. Il y a autre chose que je vais faire. Hop, ça, on va le foutre là. Merde. Pour l'instant... Hop, là, comme ça. Lui, je le monte ici. Et lui, je le mets là. Comme ça, là, j'ai les balles. Alors, on reprend les balles. D'ailleurs, je vais devoir recharger mes armes. Alors, les balles de Tempé ont été très efficaces face à Bitores Mendes, mais j'en ai plus, hein, par contre, hein, là. Merde, j'aurais dû mettre le soin ici, parce que les balles, il y en a à proximité. C'est pas bien grave. Ça, ça va là, ça, ça va là. Ça, ça va là. Hop, ça, ça va là. Très bien. L'herbe, je la mets ici. Ah merde, ça, ça va me gêner, ça. Attends, ça, je vais mettre ça là. Et il me manque le couteau de cuisine. Ah, pour l'instant, je suis parfaitement... parfaitement convaincu de ce qu'il propose. Je suis très content de ça, d'ailleurs. Effectuer l'achat, oui. Cette arme peut faire exploser des têtes comme des pastèques. Tu vas faire un massacre avec ça. Alors, ce qui fait que maintenant, la lunette va m'intéresser aussi. Alors, munitions magnum, pour l'instant, non. Eh oui! On adore nos herbes. Alors, c'est pas le viseur laser, c'est ça, moi, qu'il me faut. Il me faut 7 spinels, il m'en manque 2. Il va falloir des contrats assez rapidement. Hein. T'as le ticket, t'as, il me faut la crosse, là, ça. Là, il me faut ces deux trucs, là. Assez rapidement. J'avoue que, bon, bah, de toute façon, j'étais obligé de me servir des poudres. Hein. Si je m'étais pas servi des poudres, effectivement, ça aurait pas été pareil. J'aurais pas le couteau, comme d'hab. Ah, puis ça, du coup, je peux pas l'améliorer. Donc, on va encore garder ça. Je suis à combien de puissance là-dessus? 3,30. Un couteau a besoin qu'on s'en... Et rappelez-vous, dans l'original, la puissance de feu du fusil semi-auto, donc du Stingray, comme il l'appelle là, était bien supérieure au Ryogun, hein, dans l'original. Là, c'est tout l'inverse. Hein. Bon, là, j'ai quand même augmenté à fond. Mais quand même... Il était à 4,60, je crois, le fusil anti-émeute avant le niveau 2. Là, je suis à 3,30. C'est... Je sais pas. Tu as mis le jeu en VF, elle est excellente en plus, et le marchand me tue. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais... Bon, c'est vrai qu'il parle trop, là. Il te faut la lunette et la crosse, mais tu as plus de place dans ta mallette. Oui, aussi, mais de toute façon, je n'ai pas assez de spinel. Et j'ai... Quand est-ce qu'il va me vendre un... Une valise plus grande, là, parce que là... Là, c'est la dèche, là. Chose intéressante à vendre, étranger. Mais tu n'as pas la mallette. Il y en avait une de mallette en rentrant dans le château, hein, normalement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, monsieur marchand? Reviens quand tu veux. Bon, j'ai quand même fait des bonnes emplettes, là. Il n'y a pas d'autres trésors ici. Ah, cette fois-ci, là, ouh là là, oui, bah oui, forcément, le château est grand. Cette fois-ci, c'est à l'horizontale. Dans l'original, c'est à la verticale, le château. Bien. On a combien de temps, là? 34 minutes, ça va. Hop. Alors, je pense qu'il y en a... Merde, c'est pas ça que je voulais faire, de toute façon. Alors, on va recharger nos armes. Je pense que le prochain trésor est au niveau des canons. Ça, c'est déjà plein. Ça, c'est vide. Le pistolet de base est super puissant quand tu as le ticket pour l'amélioration spéciale. Ah ouais? Plus que les autres pistolets? Je suis surpris de ce que tu me dis. Ce qui prend une place de folie, c'est vraiment le... Bah déjà, la TMP avec la crosse, ça c'est sûr. Et le lance-carreau. Hein. D'ailleurs, comment je fais des balles de fusil? C'est les grands avec des... Ok.
Alors là, ça m'épate, là. Je suis très surpris. Je me demande si je vais pas me séparer d'une arme, là. Mais je sais... J'hésite entre la TMP et le lance-carreau. Parce que le lance-carreau, mine de rien, entre ça, ça et ça, ça me prend de la place. Mais la TMP, avec la crosse, me prend aussi énormément de place. Ça fait quoi, les couteaux de cuisine? Je peux faire quoi avec, déjà? Fabriquer? Ah bah, des carreaux. Ah ouais, ouais, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est très risqué, hein, ce que je fais. Alors, ouais, c'est ça que je cherche. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre, déjà? Alors, je peux juste mettre le spray. Je l'ai pas pris, justement, pour la place. Bah, moi, je pense que je vais faire pareil, hein. Bon, il m'a bien rendu service, hein, par contre, le lance-carreau, quand j'étais dans le village, et voilà. Dégâts critiques x5, le pistolet de base a amélioré, putain. Ça pose à réfléchir. Je vais poser le lance-carreau. Ah oui, mais par contre... Ah mais oui, mais je peux pas poser le reste. Ah. Oh. C'est vrai que je peux pas poser les carreaux et... Ça, c'est nul, hein. Ça, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse pas poser ces trucs là. C'est quoi l'intérêt? Et ouais, ça me fait de la place encore là. Putain, ça m'emmerde. Bon, on va quand même faire comme ça. Lui, je vais le mettre. Oh, il rentre même pas là. Oh là là. Il n'est pas plus grand que le fusil anti-émeute. Le fusil anti-émeute, il est excellemment grand. Et les parasites en 4 balles, c'est plié. Putain. Ça... Ouais, mais ça... Ouais, mais avant le spécial, j'imagine qu'il est moins bon que d'autres armes, hein, bien sûr. Ah ouais, non, même là, ça rentrera pas. Je suis emmerdé avec toutes ces places, là. Ça m'emmerde qu'on puisse pas mettre les carreaux, là. Franchement, c'est de la grosse dope, ça. Ça m'embête de ouf, hein. Quelle idée, quoi. Tu fais un coffre... Ouais, mais bon, pour l'instant, de toute façon, la question se pose pas, puisque j'ai pas de quoi améliorer au maximum ce genre de choses. Et ça, on va le foutre là. Bon. Allez, on va partir comme ça, du coup. Et on est parti. Je n'ai pas mis de... raccourci pour ça. Et on va le mettre à gauche. Oh bah bien sûr qu'on pouvait bien sûr. Il n'y a que dans celui-là, hein. Là, je comprends pas l'idée. Je comprends pas que dans un coffre on puisse pas mettre ce qu'on veut, quoi. C'est ridicule. Et bon, bah allez, hein, on est reparti. Une petite sauvegarde des familles, on est bon. Non, il n'y avait pas de coffre dans RE4 original. Je pense qu'il voulait parler des remakes RE1 à 3, évidemment. Allez, bah on est parti. On va rester un petit moment ici, mais bon, en général, le premier marchand du château est très important. Bon, on est bien au niveau des canons. Alors, il y a lui, celui qui avait ouvert au L Giganté. La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Oui, oui, c'est bon, ça, je l'ai eu, le coffre. Alors, si tu remarques bien aussi, quand tu fais les jumelles, tu l'as pas fait au Del Lago, mais dès que tu as une petite ligne arrondie,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hop, je dézoome. Voilà, et là, il faut choper ça. Inspecter. C'est quoi, ça? À mon avis, c'est pas là pour faire joli. Il y a pas mal de petits trucs que tu as loupés au Del Lago en observation. Et moi, je l'avais deviné parce que dans Metal Gear, il y a pas mal de... Il y a le même concept avec les jumelles. Donc c'est pour ça que je suis pas passé à côté de ça. Bon bah voilà, là il y a plus de cercle autour du rond principal au niveau de la jumelle, donc là pas de problème. Là j'ai tout vu. Eh ben c'est de mieux en mieux. Bon, moi maintenant la question que je me pose c'est est-ce que... Ah putain, sans la lunette c'est nul. Oh, on dirait un vieux truc de Call of Duty. Oh, il me faut absolument la lunette. Parce que le fusil semi-auto, même sans la lunette dans l'original, bon, tu pouvais pas aller aussi loin, évidemment, mais c'était quand même pas trop mal, hein, de mémoire. Bon. Qu'est-ce qu'ils sont ? Chut. Parle pas trop fort. Alors déjà, l'architecture a changé. Hein. Non, c'est pas ça. Oula, oulala. Oh là là. Direct. Attention les yeux. Voilà. Bon, je préférais pas prendre de risques. Couteau de botte ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah, je peux faire plus de carreaux en fait que le couteau de cuisine. Carreau x 6. Et l'autre c'est. Carreau x 4. Ok, bon. Ça prend autant de place dans l'inventaire. Ok. Alors oui, t'es déçu du fait que ce soit pas aussi luxueux des dorures. C'est vrai que le tout début du château, c'était pas non plus très joli. Hein. Il y avait qu'une salle entre la première jolie salle, c'est au moment où on voit Salazar pour la première fois. Donc non, s'il y avait une salle où il fallait changer les épées dans des murs qui n'étaient pas trop jolies, mais les toutes premières salles étaient moches. Enfin, c'était pas esthétique quoi. Donc pour l'instant ça me choque pas. Ok, je suis dans une chapelle. Très bien. Allez, on continue. Pour le coup, j'avais bien fait de faire des grenades aveuglantes. Donc ça y est, les parasites ont changé déjà. Et c'est normal. Ça s'est respecté. Donc là on est au niveau de ceux qui sont passés par derrière. Il faut absolument la lunette hein, pour le fusil semi-auto parce que là c'est vraiment nul. Ça fait longtemps qu'il nous a pas donné des missions secondaires là. Les contrats. Bah depuis le chien. Hein. Depuis le chien dans le village. Oula. Oui, ils visent comme des sacs. Touché. Touché.
Ah ouais, non, là, c'est moche, hein. Non, loupé. On va s'approcher un peu. Allez. Touché. Mais putain, mais... Bon. Oula. Allez, sors de là. Ah oui, et toi aussi. Ah, putain. Ok, là c'est bon. Tu veux pas crever ? Ça s'arrête jamais. Ok, nickel. Aïe ! Ok. Je t'ai eu. Bon, nickel. J'ai cru que l'autre il se relevait, j'ai eu peur. Celui qui était en bas. On reprend le raid 9. On recharge tout tant qu'on y est, tiens. Hop. Ça me fera de la place dans l'inventaire. Voilà. Et Red 9. À la mano. Ok, bon, là je reconnais. Voilà. Donc ça, ils l'ont laissé. Il y a le tonneau sur le côté, je l'ai vu. Oui, merci, tu as un grand sens de l'observation. On va la laisser là pour l'instant. Il retire pas. Taïo ! Oui, c'est vrai qu'elle vient quand même, c'est juste qu'elle reste pas avec nous. Reste près de moi. Bon, tu restes avec moi. Voilà, nickel, toi tu te dégages. Oula, mes vies là, attendez, petite herbe. Ce sera pas de refus. J'ai pas d'œuf, hein. Dommage. Voilà, pas mal ça. Tu as des. Ah bah je verrai bien. Ouais. De toute façon je vais pas m'en occuper tant que j'ai les catapultes. Hein. Merde. Mais... Enfin. Putain. On va éviter quand même de rester trois couverts. Ah, c'est fermé là ! Putain ! Ok, il y en a une là-haut, comme dans l'original. Là, il n'y a pas le mec en rouge en haut ici. Hop, 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 hop.
Bon, ils ont pas tous des parasites, ça s'est fait plaisir quand même. Alors là-haut. C'est pas le tonneau ça? Toujours pas bien. Non, c'est pas le tonneau, merde! Viens par là. Tu crèves pas, toi? Merde! Non mais... Putain! Non mais, sérieux? Ah, j'aurais dû utiliser ma grenade. Je pensais qu'avec un 1, ça suffisait. Waouh! Ah ouais! Attendez, là on verra après. Là, pour l'instant, je suis en sécu. Enfin, médaillon bleu, bon, je les aurais vus, hein, du coup. Parce que là, je l'ai trouvé sans la chercher. Ouais, mais eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds que les premiers parasites qu'on a vus au tout début du jeu. Ça, c'est bon. Ensuite, ça tire d'où, là? Ça tire de gauche. Et pas que. En haut, là-bas, aussi. J'ai vu un autre médaillon. On voit pas tout d'ici, merde. Bon, allez, on va courir. Il y a encore un médaillon bleu ici. Ok, la catapulte, je la vois. Ce viseur est vraiment pourri. Bon, tant qu'on est là, allez. Pas le moment, mais bon. Oh, de la ferraille. Là, il n'y a pas le tonneau, je le vois pas. Ah, je les vois partout, les médaillons. Ouais, bon, c'était pas du spoil, hein, on les voit bien. De voir où est-ce que je pourrais... Ah, je peux monter par là, là. Allez, on va y aller. Ah non, putain, comment j'y vais ici, moi? Merde, elle est où, elle? Allez, là. Vite, 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 viens par là, là. Je vois pas où est-ce que je peux les immobiliser. Ouais, il faut que je redescende, peut-être. Parce que là, j'ai pas d'angle de tir. Ah, peut-être ici pour celle du fond. Je vois pas de tonneau là, putain. Et comment je fais pour aller là-bas ? Ah, c'est coincé. Ah, la porte, je l'avais pas vue. Hein? C'est fermé? Oh. On voit pas la porte, alors. Oh,
Ouais, j'ai que ça à faire. Mais je comprends pas par où il faut aller là. Parce que là, c'est impossible de les, de leur tirer dessus de là où on est. Ah, ça y est. Ouais, voilà, il suffit que tu ouvres ta. Hein? Tu m'as compris? Pour que ça arrive. Putain, mais comment on peut pas la défoncer cette porte de merde? Je comprends pas là. Y'a pas de sortie, y'a rien. On va retourner là-bas. Ah, je vais descendre peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais toi, vous aimez bien quand je perds. Vous pouvez pas être content pour moi que je réussisse. Ah. D'accord. Donc ils sont pas possibles à avoir avec nos armes traditionnelles, à moins que ce soit juste pour la porte. Ah non, oui, non, non, c'est peut-être juste pour la porte. Bon. Là, je vais peut-être récupérer les trucs que j'avais chopés pour les premiers... au fusil à semi-auto, je ne sais plus son nom. Voilà, c'est ça. Ah, il y a une échelle ici, bah voilà. Ça, ça dégage. Alors attention, est-ce qu'il peut m'atteindre lui ? Limite. Non, 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 tu exagères, tu exagères. Je suis sûr que tu exagères. Là! Descends. Bon, ça va, ça n'a pas été trop virulent. Oh bah attends, couteau. Voilà. Bracelet élégant, très bien. Oula, il y a un mec là. Je l'ai vu. Mais hé, ça va, oui. Non mais oh, tu t'es cru où là? Putain, par contre j'entends un bruit de métal, comme s'il y en avait un qui transportait une grande hache, ça me stresse. Oh putain. Ça va, tu t'es cru où toi aussi? Non mais sérieux. Vous êtes cru chez papy et mamie ou quoi là? Ça va? Ouais, j'ai rien. Bah vas-y, hein. Dis. Vous avez décidé d'être contre moi, donc dites. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait... Ah, il y en a un là. Non, 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 non. Nickel. Non, c'était ça que je voulais voir. Bah écoute, dans l'original, c'était un endroit safe, hein, donc je m'y suis mis. Alors après, peut-être que c'est celle que j'ai tuée, que j'ai tirée avant de... qui... Enfin, il y avait une catapulte ici et une catapulte ici. Celles-là, je les ai tuées avant d'aller dans le truc-là. Hein. Et donc peut-être que dans le truc-là, celles qui sont ici et ici n'atteignent pas la cabane sans toi. Non, parce que là, vous avez décidé de pourrir mes performances.
Non, ah, attendez, les médaillons, putain. Il y avait des médaillons. Ah! 4. Tiens, elle réagit sur ça, elle. Ça va marquer, j'imagine. Non, c'est pas marqué. Il y en avait derrière la porte que j'ai. On verra. Je peux t'assurer que je vais contrôler le moindre de tes dires. Et si c'est pas le cas, tu peux être sûr qu'en commentaire, je vais bien te les mettre. Alors, médaillon bleu, ok. 5 spinels, enfin. Donc il m'en manque 2. Alors évidemment, je ne pars pas sans les avoir trouvés. Oh, le fusil à verrou, là, sans la lunette, c'est vraiment de la merde. J'ai même un meilleur zoom en utilisant le pistolet classique, quoi. Ah, c'est la première chose que je regarde. Ah, tu penses que Rudy joue mieux que moi? Bah, après, je ne sais pas. Non, je suis extrêmement déçu par ça. Cela dit, je pense qu'il est peut-être plus mort que moi à ce stade, je ne sais pas. Je suis à combien de morts là? 3, 4, 5? 5 morts peut-être depuis le début? Où sont ces foutus médaillons? Il me manque 2. Où êtes-vous? Ah, j'aime pas quand je trouve pas des trucs de ce genre là. Ouais, 5 morts, dont 2 idiotes au début de ce live là. Hein, donc. Oh là, y'a que dalle. Non, mais j'ai pas l'impression de mal jouer, hein. Forcément, si je me fais toucher à l'intérieur de la maison, évidemment que j'y reste pas, mais là, bah, je me faisais pas toucher, donc je reste. C'est logique. Oh, putain, elles sont où, ces médaillons, là? Je vais retourner ici. Bon, la phase de catapulte est plus stressante que dans l'original, hein, quand même, faut l'avouer. Celle-là, je l'ai eue. Pour moi, c'est mieux réussi, là. Bah oui, moi j'ai pas l'impression de mal jouer, hein. Donc ta théorie n'est peut-être pas bonne. Hein. J'aime bien le je t'aime toujours. Ça c'est mignon. Oh, mais où est-ce qu'elles sont ces... Où est-ce qu'ils sont ces médaillons à la con là? Je ne pars pas tant que je n'ai pas eu les 2 médaillons bleus restants. Ça, c'était pas mal aussi que cet endroit soit fermé. En tout cas, vous êtes témoin, hein, sur la difficulté. J'ai bien mis en standard. Hein. Dites pas que je triche et que je suis passé en facile. Ah, il y en a un là. 5. Allez, encore un. Là, il n'y a rien.
Mais enfin, jusqu'à présent, là, les moments où vous m'avez dit, oh là là, tu vas galérer, tu vas pas y arriver, machin, franchement, j'y suis quand même passé pas trop trop mal, hein. Je pense que vous sous-estimez ma technique de jeu, certains, hein. Tu n'as pas laissé l'aide à la visée par hasard aussi dans les paramètres? Oh non, ça m'étonnerait parce que j'ai quand même fait pas mal de tirs à côté, hein. En précision, je dois être à 78, je crois. On peut vérifier, hein, si vous voulez, hein. Voilà, type d'aide à la visée, non. Arrêtez de te trouver des excuses. Je joue bien et c'est tout. Putain, il est où ce dernier médaillon? Peut-être sur les toits ici. Non. Et la pauvre Ashley, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Ça doit être ça, alors. Je vais avoir un Salazar gentil, peut-être aussi. Ah, on perd du temps sur ces médaillons, c'est chiant, mais c'est chiant. Mais moi, j'ai besoin de ces spinels, hein. Et là, la lunette, je vais pas hésiter 500 ans, ça c'est sûr, hein. Je préfère la lunette de visée au tout début. Ok, je vais aller voir. Je préfère avoir les lunettes de visée que... La crosse du Raid 9. Alors, le début, c'est ici. Alors, je suis peut-être pas assez au début encore. Oui, bah, le château écorcé, oui. Je sais bien. Bon, ça doit pas être plus loin que ça, je pense, hein. Non, là, c'est pas là, c'est sûr. Donc, alors. Là, il n'y a rien. Ici, à droite. Bah, l'escalier, là. Voilà, dans l'escalier. Là. Enfin, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que vous, là, maintenant, vous dites, ouais, le village, en fait, c'est facile. Alors, vous m'avez bien tanné qu'il y avait des passages... Ah putain, le premier! Oh là là, mais quelle merde! Putain, les médaillons étaient bien plus faciles dans l'original par contre. Bon, mais quoi là? Il y a un putain d'escalier, et alors? Y a que dalle! Rien, putain. Oh, sans déconner, quelle perte de temps. Vers le bas à droite. Si on t'a parlé des jumelles à la tronçonneuse. Bah écoute, on verra bien. Hein. Putain, mais y a rien là. Bon, à gauche et à droite, y a rien. Y a des putains de feuilles là, on s'en balèque. À gauche, ouais, mais y a rien non plus. Attends, je vais me foutre là, là. Maintenant, on peut pas, c'est trop haut, les remparts là. Ah, putain! Oh la merde! Oh, merci. Là, par contre, je pense que j'aurais mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à le trouver. Ah, la chure, quoi. Ah ouais, non, là, merci, par contre, hein, parce que là, quelle merde! J'en avais chié aussi, hein, dans la ferme, là, sur ces médaillons bleus à les trouver. Bah oui, tu me devais bien ça, hein. Ah! Bah,
c'est pas mal, là. Bon, c'est pas aussi joli que dans l'original, je l'avoue. Regarde cet endroit. Bon, c'est vieux, mais... Bon, cela dit, cette pièce, enfin, si c'est pas l'endroit où Salazar nous accueille, c'est nouveau, hein. Je suis le live depuis ma Series X. Salut Zetko. Oh, t'arrives toujours à la fin, toi. D'une roquette. Beau travail. Je suis à combien, là? Ah, putain, je suis à 1h10, non. Pff, oh là là. Putain, ce temps perdu par ces trucs, là. Et du coup, on va devoir s'arrêter. Putain, je suis de blague. Bon, les lunettes, évidemment. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. Ah putain, j'aurais dû... Attendez. Ah, c'est grave. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que j'aime bien quand ça dépasse pas trop, quoi. Bon, attendez, on va recharger nos armes. Dans mes statistiques YouTube, c'est vrai que dès que ça commence à faire plus d'une heure, j'ai pas forcément... Aurais-tu l'intention d'enfiler une aiguille avec une balle, l'ami? Je suis pas trompé, oui, c'est bon. Est-ce que je peux t'aider pour... Alors, il est là, c'est bon. Avec le Stingray, très bien. Oui, oui, pour les vues et le watch time, ouais. Quand c'est trop long, ça regarde pas jusqu'au bout, c'est pour ça. Mais sinon, non, en soi, c'est pas grave. Je peux pas faire autre chose, là. J'ai combien de poudre, là? 18. On va faire des balles de pompe, là, avec ça. Voilà. Ça, voilà, comme ça me fait de la place. J'ai deux grenades aveuglantes, donc non. Ah bah là, j'ai plus de poudre à canon. Vous voyez ce que je disais, on disait que le mode mercenaire était arrivé. Mieux que village. Bon, j'imagine que toi, tu l'as déjà fait toutes les maps, hein. Tu es dans une autre catégorie en termes de rapidité, hein. C'est... Qu'est-ce que je devrais dire, moi, avec mes lives de 2 heures? Ben non, mais après, moi, j'ai eu l'habitude de proposer ça à mes abonnés, donc bon... Tu sais, les lives se suivent et se ressemblent, mais pas pour tout le monde, hein. Je n'en ai fait deux. J'ai le rang S+ partout, hein, voilà. Sortez cet homme! Sortez-le! Bon, bah là, oui, bah là, je vais pouvoir... Non. Là, je vais pouvoir recharger ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon. Bienvenue. Continue les affaires. Bon, bah, la crosse, non. On adore nos herbes, ça. Oui. Axel aussi. Et putain, mais... Sortez. Sortez tout de suite. Vous n'êtes plus admis ici. Ah, le trésor aussi, putain. En plus, je suis déconcentré. Y a ça aussi. Oui, bah, t'as bien raison. Non, mais bon, moi, les gens ne se sont jamais plaints. Mais c'est vrai qu'en regardant les statistiques, je le vois. Alors là, évidemment, il va pas y avoir non plus 500 ans à tergiverser. Ça va être les jaunes, bien sûr. Donc là, je suis un bonus à 22 800. Allez-y. Ah, peut-être. Bienvenue. Allez. Je vais enfin... Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas de valise? Parce que là, s'il y a la valise, évidemment que je la prends immédiatement. Ah non, pas de mallette. Putain, moi je veux une mallette. C'est pas possible. Non, spray, c'est bon. On va... Réparer le couteau, toujours.
Voilà, c'est ça que je voulais là. Voilà, très bien. Le Red 9 s'est plié. Cadence de tir de fusil émeute. Rechargement de ça, bon. Ah putain, ouais, la puissance de ça, ça va être compliqué. Rechargement. Capacité. Non, ça, ça va. On va garder les 10 000, hein. Rechargement pour ça. Ah, ou alors je fais ça, je vais faire ça, allez, comme ça la TMP elle est pliée aussi. Comme d'origine, si j'en fais. 800 000 avec Louis, mais bon, il est vraiment accessible ça. Oh là là, mais vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment des aliens, hein. Vous avez déjà fini. En deux games, j'étais 5 à. Ouais, mais pff, c'est même plus drôle de discuter avec vous, vous avez déjà tout fait, vous. C'est déprimant. C'est déprimant. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Vous faites des cours, c'est pas possible. Mais jouez à Gran Turismo dans ça. Ah ouais, non, là, la lunette, là, c'était bon. Là, il fallait, là. J'ai plus de poudre, de toute façon, donc ça sert à rien. Mais ouais, putain, mais vous attendez des années pour faire un jeu, vous les massacrez en une journée, en deux jours, quoi. Arrêtez! Il n'y aura plus de jeu après si vous continuez, quoi. C'est des speedrunners. Ah bah après, il en faut pour tous les goûts, hein. C'est vrai que moi, les speedruns, j'ai jamais, mais même dans les jeux que je connais, hein, j'ai jamais été un grand fan, hein. Je l'ai fait une fois, c'est sur Tomb Raider Legend. Il était tellement facile que... bon, voilà. Bon, bah du coup, là, on a combien, là? On est à 1h17, donc évidemment qu'on va s'arrêter. Donc, tout est bon, tout est en ordre, tout est rechargé. La machine à écrire, elle est où? Elle est là. Très bien. Et, je n'ai rien à mettre dans le coffre. Ah, on peut mettre la lunette. Ouh, on peut mettre la lunette dans le coffre, attention. C'est quoi ça? Ah oui, les munitions, j'en ai rien à faire moi. Ok, bon, on va sauvegarder. Donc c'est sur ce que l'on va terminer ce plus long épisode. Bon, il y a eu beaucoup de parlotte évidemment, hein, donc c'est pour ça que l'épisode est un peu plus long, et puis j'ai pas mal aussi marchandé avec le marchand, et puis ce fameux médaillon bleu où j'ai mis 3 plombes à le trouver, donc merci à Rudy de me l'avoir signalé, j'aurais mis beaucoup plus de temps à le trouver. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont en VOD, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve donc dans 4 jours pour la suite de Resident Evil 4 Remake. Allez, salut à tous.